Le 5 avril dernier, Florent Pagny a publié sa toute première autobiographie, intitulée Pagny par Florent, dans laquelle il relate divers moments significatifs de sa vie. Le chanteur, récemment parti de son poste de coach dans l'émission The Voice en raison de son combat contre un cancer du poumon, y aborde notamment ses expériences amoureuses, dont sa relation avec Vanessa Paradis qui l'a laissé profondément affecté. En outre, l'ouvrage révèle un épisode gênant impliquant Vianney. Cependant, il convient de souligner que l'autobiographie de Florent Pagny ne se limite pas à être un simple livre de révélation. En effet, elle constitue également une occasion pour le chanteur de se remémorer ses expériences de tournage dans l'émission The Voice diffusée sur TF1. Malgré sa lutte contre un cancer du poumon depuis un an et demi, Florent Pagny demeure le détenteur du record de participation et de victoire dans cette émission de télécrochet renommée. En cette occasion, le chanteur Florent Pagny révèle une anecdote étonnante au sujet de Vianney. Selon les informations relayées par le magazine Voici, le mari de Catherine Robert aurait connu un moment de grande solitude sur le plateau de l'émission. En effet, alors qu'il avait tenté d'entraîner le public à chanter avec lui, le jeune papa s'était heurté à un silence gênant. C'est alors que Florent Pagny lui aurait prodigué quelques conseils avisés en vue de mieux gérer les interactions avec le public. En dehors de cette anecdote, l'autobiographie de Florent Pagny nous plonge dans une perspective intime sur la vie et la carrière de cet artiste. L'ouvrage aborde de nombreux sujets tels que son combat contre la maladie et les épreuves qu'il a dû surmonter, ainsi que les rencontres marquantes qui ont parsemé son parcours. En fin de compte, cette autobiographie constitue un témoignage authentique de la vie de l'artiste, offrant une perspective personnelle et touchante sur les expériences qui ont façonné son parcours professionnel et personnel.